Bonjour à toutes et tous, bienvenue. Nous sommes avec Faouzia Kalali pour parler de son retour d'expérience sur le projet EIEDD. Bonjour Faouzia. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Rouen et HDR en didactique des sciences. Vos thématiques de recherche concernent plus particulièrement la relation des élèves envers les sciences et leur rapport au savoir au monde, la question de l'engagement, de l'éducation scientifique et du citoyen, et vous croisez également les questions de politique et pratique en éducation scientifique, ainsi que les éducations A. Donc vous êtes membre de ce projet, EIEDD. Quel était plus particulièrement votre rôle et vos missions au sein de ce projet? Alors merci Laurie de nous consacrer un temps pour restituer les résultats de ce projet avec le temps qu'il faut, hein, très très chaud ici à Paris. Je ne sais pas où vous êtes. C'est ça aussi, c'est ça aussi le mystère d'Internet, enfin Oui, des tout à plateformes. fait. Donc ma participation à ce projet concerne l'intérêt que je porte aux élèves, aux jeunes, hein, et aussi à leur rapport au savoir, comme vous l'avez dit, et au monde. Donc, ce sont des préoccupations majeures de mon travail de recherche. Et donc, depuis le début du projet, depuis son lancement, j'ai été présente, participante, et sur le terrain, avec les élèves, avec leurs enseignants. Ce qui est donc d'un grand intérêt pour les chercheurs que nous sommes, même si le domaine de l'enseignement ne m'est pas inconnu. Voilà. D'accord, très bien. Est-ce que, donc, au niveau des résultats de ce projet, qu'est-ce que vous pouvez en dire par rapport à vos thématiques de recherche? Alors, pas forcément avec ma thématique de recherche, mais aussi par rapport à ça, j'ai été interpellée par deux résultats importants. La prégnance de la forme scolaire, D'accord. dans un premier temps, et puis, comment dire, la difficulté de certains praticiens, des enseignants, à trouver leur place dans des projets comme le nôtre. Alors, je m'explique Oui. brièvement, je vous rassure. Par rapport donc à la prégnance de cette forme scolaire, les enseignants que nous avons suivis, que j'ai suivis de très près, surtout dans la ville de Paris, ont mis en place des actions d'accompagnement des élèves avec des supports, par exemple des conférences avec des experts, avec des scientifiques, des médiateurs lors de visites de centres, de centres de scientifiques et de musées. Et ce que j'ai remarqué que quand on posait la question, et ça faisait partie donc du programme de recherche, quand on posait la question aux élèves sur quels sont les apprentissages qu'ils ont tirés par rapport à ce projet et l'enrichissement personnel en termes d'attitude, c'est-à-dire responsabilisation par rapport à des questions environnementales, pollution, ainsi de suite. Eh bien, figurez-vous que les élèves, quand ils rendent compte de ça, eh bien, ils ont des représentations, des schémas qui sont ancré dans la façon dont on voit l'activité scolaire ordinaire, c'est-à-dire que bah, ils ont du mal à situer les connaissances qui ont été apportées par les acteurs rencontrés sur le terrain, et ils avaient du mal à les situer par rapport à ce que l'enseignant leur apporte. Et ça nous pose une question intéressante en tant que chercheur, c'est la légitimité scientifique donc de certains acteurs dans les processus de diffusion et de partage de connaissances. Et la deuxième chose par rapport à la prégnance de cette forme scolaire, c'est la difficulté de ces élèves face à cette autonomie, la liberté qui leur a été laissée dans le cadre de ce projet. Ils étaient perdus. Or, si on fait travailler les jeunes sur des problématiques comme ça, et pour les amener à une responsabilisation, ben l'autonomie, c'est quand même un gage, c'est quelque chose d'important. Deuxième point, ça concerne donc les enseignants. J'ai remarqué que, bon, il y a toujours la difficulté de travailler ensemble, entre équipes, différentes disciplines, puisque nous avons travaillé avec des professeurs de langue, d'options professionnelles, puis de SVT, d'histoire, géographie. Mais ce qui m'a aussi interpellée, et je trouve ça intéressant, c'est que même pour des enseignants aguerris, qui ont eu l'expérience de projet ou qui ont l'expérience de projet, eh ben, ils ont eu du mal
à composer avec deux fonctions ou deux missions qui leur ont été, qui étaient les leurs, c'est-à-dire le rôle d'un médiateur en quelque sorte, puisqu'ils sortent de leur rôle ordinaire instructif dans le cadre de ce projet, et puis leur rôle d'enseignant. Et j'ai trouvé que certains enseignants, ils avaient du mal à allier, à concilier les deux, alors que les deux relèvent quand même de la fonction éducative, c'est-à-dire instruction, mettre l'accès sur les savoirs, et puis accompagnement éducatif plus global pour développer des compétences et puis des attitudes plus larges. D'accord. Voilà. Alors, maintenant, j'aimerais vous poser une autre question qui est plus sur une des hypothèses de ce projet initial, sur l'interculturalité, qui était donc un levier. Cette hypothèse a été posée, donc l'interculturalité, comme un levier d'appropriation aux questions de développement durable. Comment cette hypothèse a évolué sur le terrain? Quels ont été vos constats par rapport à ça? Alors, bon, l'interculturalité, pardon, et certes, c'est un appui, hein, ça je continue à le dire, pour accompagner les élèves dans leur apprentissage et puis dans le partage de... dans un apprentissage aussi avec des différents publics qui ne sont pas amenés à rencontrer dans leur établissement ou un fonctionnement ordinaire. Mais je vais être humble, je vais plutôt pointer du doigt des difficultés que j'ai trouvées par rapport à certains résultats auxquels moi-même je m'attendais, mais qu'on n'a pas ressenti. C'est le fait que les élèves, ce sont des jeunes quand même qui sont baignés dans les réseaux sociaux, eh bien, la sauce a eu du mal à prendre et je pense qu'on n'a pas réussi à ce que les élèves entre établissements, entre territoires et entre pays France et Québec puissent se constituer en communauté apprenante. C'est-à-dire, réussir à investir des espaces pour débattre ensemble, pour discuter et pourquoi pas composer un avenir commun. Donc là, c'est paradoxal, on n'a pas réussi et ce n'est pas faute de moyens, on a mis à leur disposition des plateformes intuitives. Je pense que, et là ça va être à notre crédit, on a eu quand même en France un contexte très difficile à l'époque du projet, c'était les grands mouvements sociaux, c'était la période des grandes grèves, la fonction publique, les transports, l'enseignement, et donc les écoles étaient fermées, les élèves étaient donc, n'étaient pas, c'était pas serein. Oui, alors, j'ose espérer que c'était par rapport à ça, mais je continue quand même à dire que peut-être que les jeunes investissent ces réseaux pour des choses qui relèvent de loisirs, mais qu'ils ont du mal à les investir quand même pour se constituer en communauté apprenante. Oui, oui. Alors, je ne sais pas si c'est un résultat qui sera commun avec d'autres recherches, ça sera intéressant de le comparer. Voilà. Enfin, dernière question, quel conseil vous pourriez donner à des établissements, à des enseignants qui aimeraient se lancer dans ce type de projet, dans un autre type d'accompagnement? Vous parliez de la dimension de médiation en plus de la dimension, on va dire, habituelle d'enseignant. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller d'autre à ces établissements pour se lancer dans ces projets-là? Alors, merci Laurie pour cette question fort intéressante. Moi, je pense qu'il faut oser mener à fond une démarche participative. D'accord. Je pense qu'il faut impliquer les enseignants dès le départ, dès le début. Il faut convenir, il faut bien sûr essayer de voir dans quelles conditions et à quel niveau et jusqu'à quel niveau pousser cette collaboration. Pour nous,
Ce que je regrette dans ce projet, encore une fois, les résultats sont vraiment intéressants. Il y a des productions scientifiques, mais moi, c'est ma démarche. Je pense qu'il y aura d'autres restitutions où on va mettre l'accent sur des choses positives, hein. Donc, moi, je veux appuyer sur des choses qui n'ont pas marché. Moi, je pense que dans le cadre du projet, j'ai vécu, mais c'est un vécu, hein, un partage de rôle en fait entre l'équipe enseignante et les chercheurs. C'est-à-dire que les enseignants ne sont pas sortis de leur rôle d'enseignant et nous, les chercheurs, ont été un petit peu maintenus. J'aurais aimé être interpellée par les enseignants, qu'ils me disent on ne comprend pas ça, c'est pas vrai ça, qu'ils participent, qu'ils reprennent des choses qu'on leur a proposées pour la reconstruire à leur sauce ou à leur façon de voir les choses. Mais dès le départ, il y a eu ce partage de rôle, c'est-à-dire que les enseignants sont restés dans leur posture enseignante et nous, les chercheurs, alors que nous avons voulu avoir un projet et le mener de façon collaborative, on n'a pas eu ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu cette transgression qui est importante dans tout processus où différents partenaires ou différents acteurs sont mis ensemble. Et la transgression permet quand même d'arriver vers des choses plus importantes et des fois même des choses auxquelles on n'a pas pensé. Donc moi, je pense que ce serait ça, c'est-à-dire peut-être... par cette nature de recherche participative, plus implicative des enseignants, où ce ne serait pas uniquement dans leur rôle de prendre en charge des actions, des supports pour accompagner les jeunes, leurs élèves, mais aussi ben, dire ce qu'ils pensent, oser critiquer le chercheur, pas critiquer le chercheur dans le sens voilà, il y a ces réalités de terrain, est-ce que vous pouvez reformuler vos questions, reproblématiser ensemble. Ça, je ne l'ai pas vécu. Voilà. Mais ceci dit, le projet est vraiment intéressant, il a porté des résultats, ça sera vu par les articles publiés, hein. Mais voilà, donc c'est intéressant aussi de cibler des petites choses qui interpellent et qui font partie de la nature de la recherche en sciences humaines et sociales. Donc ce n'est pas une faiblesse de notre projet. C'est la formation des enseignants qui est académique, qui ne les aide pas, qui ne facilite pas ce rôle de transgression. Et puis le temps imparti aux rencontres, des fois, ça ne permet pas que la sauce prenne et que des enseignants prennent en charge cette problématisation et reformulation des questions et des situations. Voilà, je suis désolée, j'ai été longue. Non, non, c'est très intéressant. J'ai voulu juste situer cette limite que j'ai vécue moi-même en étant un peu sur ma faim, oui. Comme aussi un élément de la réalité de nos recherches en sciences humaines et sociales. On a affaire à l'humain et l'humain est complexe. Bien sûr. Très bien, merci beaucoup Faouzia pour ce retour. Moi aussi, je vous remercie Laurie. C'était un plaisir, vous m'avez fait revivre. Oui. Intéressant. Qui a duré donc 3 ans. Oui, trois voilà, bonnes années. 3-4 ans, hein, je pense. 3-4 ans, ouais. Ouais. Qui nous a tenus jusqu'à la fin, on laisse avec les élèves, les enseignants. En espérant qu'ils puissent faire école sur d'autres projets de ce type, et notamment, c'est intéressant d'avoir vos retours et les limites que vous exprimiez. Pour que ça puisse servir, donc ouais, c'est bien d'avoir ce retour-là. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et puis, je dis aussi, allez lire les articles, parce que là, ce sont des... Tout à fait, qui sont disponibles donc sur le site du réseau Paysages, notamment. Tout à fait. C'est très court de développer une pensée ou une discussion, mais allez sur les plateformes, diffusion des articles. Il y a beaucoup, beaucoup d'articles intéressants qui sont sortis sur les résultats de ce projet. Voilà. Tout à fait. Merci. Merci à vous. Ça fait un plaisir. Plaisir partagé. Au revoir. Au revoir.